Donc, quand tu arrives sur une patiente inconsciente, tu vérifies déjà s'il respire. Voilà. D'accord ? Donc, déjà, s'il est conscient. Ok ? Donc, bonjour madame, comment ça va ? Tu vois ? Tu essaies de le stimuler un petit peu. Alors, voilà, tu appliques bien. Donc, approche ton genou. Voilà, tu cales la tête comme ça. Oui, effectivement. Très bien. Il faut t'aider par tous les moyens. D'accord ? Ouais. Maintenant ? Je peux appuyer contre ta cuisse. Voilà, très bien. Tu peux appuyer contre ta cuisse. Tu vois ? Ouais, c'est plus facile. Ok ? Ouais. Alors, comment tu trouves ça ? C'est dur quand même, hein ? Ouais, mais ouais. Voilà, mets tes entre. Voilà, très bien. Non, tu lèves tes doigts. Ouais. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, c'est dur, hein ? Ouais. C'est un métier physique. Ouais. C'est un métier quand même assez physique. Il faut porter des gens. Puis il y a des fois, il y a une certaine violence de la part de certaines personnes envers toi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a que tu trouves beaucoup d'hommes dans cette profession. Mais tu sais que les professions sont ouvertes aux femmes maintenant. Hein. Pas malade en voiture, ça va ? Ah ouais, non, c'est bon alors. Ouais. Très souvent, les patients, ils sont pas très bien parce qu'on roule la tête en arrière et couché en plus. Et on va sens contraire de. Ouais, c'est clair. L'ambulance, c'est toujours la tête en avant, le corbillard, les pieds en avant. C'est la différence du corbillard. sur place. 144 confirme, ok. Monsieur Hens, c'est juste. Bonjour. Entrez, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Eh ben alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez glissé ? Non, je suis tombée au jardin en arrière. Et puis ils ont dit qu'ils ont vu qu'il y avait ici un morceau de l'os qui était arraché et ici. Ah, okay. Et alors ils m'ont fait ce pansement, plat, c'est une attelle, ça, je pense. Attelle provisoire. Et là, on va chez le docteur, je ne me rappelle plus son nom maintenant. Beckstein. Ça va, madame ? Oui, très bien. Lieu de prise en charge, alors c'est domicile. Puis. C'est ça aussi une chute en moto. Chute sur le dos, vêtements imprégnés de sang dans le dos provoqués par les déchirures et raflures légèrement hémorragiques. Au dos et au bas des reins, le blessé se plaint de douleur dorsale, d'insensibilité dans ses jambes et de ne plus pouvoir bouger celle-ci. C'est quoi la photo là ? Pour les patients. Oh, ouais, photo du pied. T'as vu comme ils sont, n'empêche, ils lui laissent même les morceaux dans la main, quoi. Pour bien montrer qu'il a vraiment mal, quoi. Y a de ça. Multiple fracture, la mâchoire inférieure. Vraiment, délabré, hein. C'est pas du tout routinier, hein, ça c'est clair. Alors si tu aimes quelque chose de bien cloisonné, bien strict, c'est pas du tout ça qui va te convenir. Tu comprends ? Déjà, ça c'est la base. Non, ça c'est clair. Ça c'est la base. Ensuite, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens, il faut aimer apporter quelque chose aux gens. Hein ? Un petit geste. Tu sais, tendre la main ou serrer la main dans une ambulance, il y a des gens, ça... Ça, il faut pas hésiter à le faire, il faut être à leur portée, quoi. Hein ? Voilà. Mais non, c'est pas grave, ça va. Ça pourra aller mieux, hein. Vous êtes tombé ? J'ai glissé en entrant dans la chambre. En entrant dans la chambre, vous avez glissé. On vous a donné quelque chose pour la douleur ou... Bougez pas, essayez pas de bouger trop maintenant. Tac, et on revient dessus. Voilà, pour la première, on va mettre ici. C'est pas très confortable, hein. Mais ça sera juste pour la descente de l'escalier. Ah ouais, voilà. Tiens. Ah. Oui. Vous avez mal ? D'accord. Là, quelle horreur. Quelle horreur. Vous arrivez à rentrer vos coudes. Ouais. Voilà. Quelle horreur. Vous risquez rien. Hein. Ça fait mal ? Quelle horreur. Il n'y a pas peur. Taille ? Ça fait mal.
c'est bon. Je vois pas qu'elle a la tête en bas. Ah. Tu me dis, hein. Tu veux t'arrêter les minutes. Oui, oui, c'est bon. J'ai un peu de dos, là. Ça va, ça va. Ah. Voilà. Hop. Ah, ça va mieux. Juste un doigt, un doigt. Hein? Juste un doigt. Je sais pas pourquoi. Vous en avez le mérite de charrier des malades toute la journée. Hein? Ça, c'est ouais. Vraiment une vocation qu'il faut avoir. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Voilà.